après Dark Souls 1 et ses escaliers. Après Dark Souls 2 et ses DLC jamais finis. Après Bloodborne et ses chasseurs. Le Chevalier Bit revient. Dans Demon's Souls. Découvrez les origines de la série dans ce globi épique. Quel beau générique, quel très beau générique, j'ai envie de dire. Comment allez-vous, Hitbox? Le chevalier Bit est toujours prêt. En plus, c'est vraiment un chevalier. J'espère qu'on peut toujours faire des chevaliers dans Dark Souls 3. Comme ça, je ferai un chevalier. Et tout le monde me dira, mais non, mais faut pas faire chevalier, parce que chevalier c'est moins bien, et blablabla. Hein? Mais j'en ai rien à foutre, moi. On peut télécharger où ce générique pour les fans hardcore qui violent du poulpe en ta gloire? Attendez, je vais mettre tous les génériques. Ah, mais je peux pas le faire, là. Est-ce que la personne qui m'a dit ça, je n'ai pas vu tout de suite qui c'était. Je crois que c'était Frixy, mais je ne suis pas sûr. Pourrait simplement m'envoyer un mail. Et comme ça, je mettrai tout sur le serveur, et voilà. Toujours coucou de Reims, Joker. Eh bien, re-coucou de Reims. Moins épique, là, tout d'un coup. Bah, ouais. Oui, c'était toi, d'accord. Eh, salut, Ecstasy. J'ai eu une pensée pour toi samedi. J'étais à Dijon en attendant mon train. Qu'est-ce que tu faisais à Dijon? Ah oui, d'accord, c'est vrai que je vais à Dijon. Non, j'étais à Dijon. Je sais plus. Salut, Succube du 76. De retour sur les lives. Oui, Evine Mirato, prêt à souffrir. J'ai trop hâte d'y jouer, je suis pumped up. Va changer sa coulotte. Sa coulotte. J'ai bien aimé le premier épisode des Perles de Steam. Mais oui, n'hésitez pas à aller voir les Perles de Steam sur jeuxvideo.com. Attendez. Vous allez voir, tac. Merde, le générique est trop bien. Écoutez le générique, juste écoutez le générique. Steam. Ça donne envie, faut le dire. Non, je n'ai pas lu les commentaires. Enfin, j'en ai lu bien assez. J'ai répondu à quelques-uns, puis je me suis barré, parce que ça pue la merde. Maxime, le perso du portefeuille est à creuser. Mais ouais, je sais plus où il est. Rangé quelque part. La chronique est géniale, mais les commentaires sont affligeants. Mais ouais, mais pour eux, tu vois, la chronique est affligeante et les commentaires sont géniaux. Donc c'est ça le problème. Ah, il y a des commentaires drôles. Eric m'en a lu un qui était pas mal, qui disait genre point positif, passe bien à l'écran, point négatif, n'a pas de talent, des trucs comme ça. Et un gros glandu, je sais pas quoi. C'était assez drôle. Tout à fait, Drakmar. Salut, Sayers 47. Tu ne vas pas mourir. Moi, par contre. Ah, j'ai oublié le compteur de mort, putain. Where is the compteur de mort? Globi appli, Globi compteur. Boum. Ce que Maxime ne dit pas, c'est que ce portefeuille est celui qui l'a volé à Eric. Ça va, Capitaine Moustache, ça va. Je pense que on fera du The Last Story. Je sais pas si on fera du The Last Story demain, ou jeudi, ou vendredi. Je sais plus c'est quoi le programme. Mais je pense qu'on va faire du... Ah ben non, demain, il n'y a pas de live. Arriverai-je à tenir? Avec ceux qui vont te voir mourir, d'ailleurs. D'accord, désolé, excuse-moi, ça a l'air 40. Mais c'est ça la solution, faire une chronique sur des commentaires de jeux VSC. Ce serait pas mal. Hein. De toute façon, là, tu t'es vite, c'était mieux. Mais non, Alexis, ça c'est le générique des Globi épiques de Demon's Souls, pas de Dark Souls 3. Parce que je te rappelle, moi je crois, toi tu bosses sur Dark Souls 3, Alexis, pas sur celui-ci.
Pour Dark Souls 3, ça démarre pas avant dans 2 semaines, donc tu as le temps de voir venir. Vous avez vu, je me suis lavé, mais ça disparaît, mais ça part pas décidément. En fait, je me suis lavé sans y penser, et j'ai pas fait gaffe à le... Enfin bref. Ceux qui vont te voir mourir, tu sais... Ouais, voilà, tout à fait ça. Ah, Rampinou, c'est moi qui suis en retard. Je sais, Phoenix of Flame, j'ai un peu peur. Il me regarde comme ça. Le Sad Panda fait bien des vidéos sur l'orthographe des commentaires. Ah, c'est vrai. Il y a de quoi dire sur GVC, même quand tu veux aider sur ce site, on te troll. Mais c'est ça qui est un peu triste en fait, c'est que ça aide pas quoi. Ça s'appelle mal se laver, ça doit être ça. Ça doit être un vrai tatouage. Ah merde, j'ai pas vu Alexis, faut que je regarde. Mais en même temps, ça doit être ce matin. Bientôt du Trackmania, peut-être, ouais. J'y joue un petit peu tous les soirs. C'est plutôt cool. Je suis très mauvais. Mais je m'amuse quand même. Donc je m'en fous. Putain, Rampinou, t'es arrivé après ou les 5 dernières minutes? C'est trop triste. As-tu déjà pété un câble sur Souls et limite t'allais casser. T'allais casser ou casser ta manette? Non, bah tout en live. Il y a des moments où j'ai pété des plombs quand même. Je me rappelle le moment où j'ai craqué quoi. Mais genre le moment de l'ascenseur dans Bloodborne, c'était assez drôle. Mais voilà. Tout à fait, Captain Moustache. Si vous achetez quelque chose sur GameSpot, je touche 5% de cet achat. Si vous l'achetez par le lien qui est en dessous. Alors, le nom de la chronique d'aujourd'hui, c'est les perles de Steam. C'est ce lien-là. Boum. Vous cliquez, vous la voyez. Ça dure 5 minutes. Vous avez le temps. Maxime ment pas, il y a des fois, tu étais dégoûté. Ouais, j'étais dégoûté. Mais est-ce qu'au point de casser ma manette, je ne sais pas. Il y a des moments où j'étais presque à pleurer. Voilà. Je les ai tous finis. Alors, oui et non. Dark Souls 1, je l'ai fini, j'ai fini le DLC. Bloodborne, je l'ai fini et j'ai fini le DLC. Mais Dark Souls 2, j'ai fini, mais je n'ai pas terminé les DLC. Je n'ai même pas terminé le premier DLC. En fait, le gameplay Dark Souls 2 me saoule. Je trouve ça pas très intéressant. La chronique va arriver sur YouTube, ouais. Elle sera demain sur YouTube, normalement. Si je me trompe pas dans les publications, ce qui m'arrive souvent. Sur YouTube, les publications, je gère pas trop. Genre les commentaires du style, t'aurais dû parler de Paper Please ou Undertale. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ah ben, c'est clair. Après une manette de PS3, je crois pas que ça coûte très cher. Donc je pourrais la casser. Mais bon, c'est gâcher de l'argent pour de la merde quand même. Par contre, une manette de PS4, c'est clair, je ne la casserai pas. Ça coûte trop cher. Moi, j'ai pas passé le premier boss de Dark Souls 1, mais il faut t'y remettre, il est facile. Putain, mais moi, j'ai jamais pété une manette de ma vie, quoi. La seule console que j'ai jamais pété, c'est ma DS Tank, donc c'est la toute première DS. Et en gros, j'ai juste posé sur un lit. Et en fait, l'écran du haut s'est désolidarisé de l'écran du bas. Mais je l'ai juste jeté sur un lit, posé ouvert comme ça. Et je sais pas, ça, à mon avis, c'était fendu ou je sais pas, et ça a pété l'écran en deux. Et du coup, l'écran du haut s'est éteint, et l'écran du bas affichait juste du blanc un peu gris. Et après, c'était mort, quoi. Trop deg, j'ai dû racheter une DS à cette époque-là. 399 euros pour une PS4 avec une manette, ça vaut le coup. Non, la blague. Trop cher, 400 euros. Tu peux trouver ça vachement moins cher pour une PS4. Ah, pour le 1er avril, vous allez voir un spoiler bien particulier que je me suis bien amusé à écrire. J'ai suivi les demandes du peuple. Moi, jamais une console m'a lâché, contrairement à beaucoup d'amis à moi. Moi, ma première Xbox, pas Xbox 360, la vraie première Xbox m'a lâché. Et je l'ai envoyée une fois au service réparation, mais elle bug toujours. Perso, moi, ma manette PS3, j'en ai eu pour 34 balles. Ouais, c'est cher quand même, en fait. Un spoiler sur Soma. Ah! Allez vous faire foutre, je ferai jamais ça. Bon, on va y aller tranquillou. Les choupinous. Dark Souls. Ah,
Et PS4, c'est ancienne génération, non? C'est ça. Ou sur Everine. Ouais. Jex, Jex, es-tu là, mon cher ami? Putain, ta PS3, t'as lâché? Putain, un spoiler sur replay, ça serait assez délicat, non? Je vais éviter. Bon, je vais chercher Jex. Oui, il est là. Est-ce qu'il est tout nu sur le chat? Je vais vous le dire. Je peux voir son. Je peux voir s'il est tout nu ou pas. Et déjà, il n'est pas là. Ça, c'est ce que je vois tout de suite. Ah, là, il est là. Attendez, je crois qu'il est tout nu. Bonsoir. Attendez. Tu ne m'entends pas? Allô? Oui, si, je t'entends. Allô? Ouais. Oh, ça va. Ah, si, c'est bien marqué dans sa description, il est tout nu. Je vous le montre, hein. Tout nu. Je ne mens Comment pas. ça? Ta description sur TS, c'est marqué tout nu. Ah mon Dieu! Pas moi qui l'ai fait, hein. C'est vraiment un pur hasard. Tac, le nombre de morts est en place, tout est en place. Donc oui, par contre, je sais, il y en a qui sont déçus. Hier, je suis pas mort et tout, mais vous inquiétez pas, hein, aujourd'hui, mon skill démentiel va revenir. Je vais mourir. Si je ne meurs pas, je serai déçu de toute façon. En fait, Maxime, Oui. pourquoi ta chronique s'appelle les chroniques les perles de Steam s'il y a pas de ça parle pas de perles, je comprends pas. Ouais, c'est dur. Mais voilà, Maxime, une clé Dark Souls 2. Les gars, je finis les DLC avec toi. Ah, mais est-ce que j'ai envie de rejouer à Dark Souls 2? En plus, j'ai désinstallé, je crois que j'ai supprimé mes sauvegardes par erreur. Non, non, c'est pas ça. J'ai l'autre. J'ai les deux Dark Souls. J'ai Dark Souls 2 entier avec les DLC. Et j'ai l'édition machin of the First Sin. C'est vraiment de la merde, Dark Souls 2. À côté de cela. Moi, ça me motive pas à y jouer du tout. Ah merde, mon ancien perso s'appelait Bit aussi. Vous pouvez voir que j'avais joué 35 minutes. 39 minutes. Je vais le supprimer. Ah, salut Akmenra. Hey Akmenra! Alors, non, je ne suis J'ai pas foutu un tout vent nu, Ajax? j'ai... Ah bon? Je suis désolé si c'est le cas. Non, je crois pas. D'accord. Je sais pas quand. J'étais un J'ai même pas peu remarqué alors. préoccupé par ce qui se passait à l'écran, mais en tout cas, si c'est le cas, je suis désolé, mon cher Jacques. Alors non, je ne suis pas tout nu, j'ai une montre à mon poignet gauche. Hein. Voilà. Voilà. Toi, tu mets bien ta montre, tu la mets à gauche. Ouais, du coup, ouais. Je connais des gens qui les mettent à droite, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que c'est des gens qui devraient être pendus à la naissance, mais moi, je ça bien. Alors en plus, c'est une montre tactile. Donc. Ah! Hop. Moi j'en ai une, mais je la mets jamais. Alors. Bah, c'est trop bien, parce qu'en plus, j'ai trouvé un cadre en Fallout qui. Enfin, un Ah, cadre en trop bien. Pinboy qui. Avec plein d'infos. Moi elle coûte 20 balles, donc c'est un peu de la merde, mais. Ah, d'accord. Ah, moi aussi, elle est carrée, mais elle coûte pas 20 balles. Moi je sais pas le prix exact hein, parce que c'est mon frère qui me l'a offert. Ah mais si il m'a pas foutu. Ah non c'est Nero il croit qu'il m'a foutu un vent quand j'ai demandé pourquoi ça s'appelait le perle de Steam alors qu'il n'y a pas de perle. Ah oui, c'était un vent volontaire, Ouais. je savais. Non mais il a rigolé en plus. Alors, vous m'avez dit de faire le 2-1 ou le 3-1, je sais plus. Je crois que c'est le 3-1. Ouais, je crois que c'était le 3 hein, qu'ils avaient dit. Moi, je me la pète pas, Frégis, parce que c'est même pas moi qui me la suis acheté la montre. Donc... 3-1, très bien. Direction le 3-1. 91. FR, y'a rien à faire. J'aime bien. Evil Meato qui me dit 2-1. Il y a autant de gens qui disent 3-1 que 2-1. Hey, salut Benenos. Je reviens rapidement, je vais chercher une bouteille d'eau. Très bien. Je grignote pas en jouant, mais j'ai trop faim là. En vrai, je devrais faire un repas là, mais j'ai pas le temps.
Le 3-1 est dur. Putain, vous faites chier la merde. Bon, on va voir. Hein. Vous pouvez invoquer ici. D'accord, donc faut pas y aller. Bon bah je vais revenir si. Moi je trouve que cet endroit est pas du tout rassurant. Allez, on retourne faire le 2-1. J'ai peur. On dirait un endroit parfait pour un problème fantôme. Ça doit être ça. À ce moment précis, je me retrouvais dans une geôle. Les tunnels de Croc-Roche. Eh, hey, des Baldwin, les forgerons. Putain, il y en a un qui a de la peau de serpent. C'est un putain de reptilien. Ah, mais même le mec à gauche aussi, en fait. J'avais pas vu. Putain de reptilien. Putain, colonel O'Neill, c'est un menteur. What, regardez là-bas. Il y a un mec qui se bat là-bas. Tout là-bas, vous le voyez? Il a disparu. Je peux racheter de la vie. Je peux acheter une pioche. You want to play, don't you? Je vais lui parler un peu. All those lizard-eyed townsfolk are busy tinkering with stone. Makes thank. Donc il y a des pierres. À mon avis, je vais me prendre des pierres dans la gueule. Ok, il y a des lézards qui brillent. Bon, très bien. Putain, il y a un lézard qui brille là. Ouais. Ouais, une arme du héros inconnu. Attention au précipice trop d'or. Ouais. Je sais plus comment on court, ouais, ça. Bon, pour l'instant, tout va bien. Donc là, à tous les coups, c'est un raccourci pour plus tard. Donc on va aller par là. Le prochain ennemi est sensible à la magie. D'accord. Putain, ils sont costauds quand même. Ok, alors comment t'es mort toi? D'accord, il y a un mec là, à tous les coups. C'est stressant! Ah, on voit leurs yeux briller dans le noir. Petite attaque perforante pour vaincre le prochain ennemi. Je te vois. Ah, mais c'est des hommes lézards! Les hommes lézards ont le goût du lézard. Mange comme des lézards. Je sens qu'ils vont me sauter à la... Et pourquoi ils résistent au deuxième coup? C'est ouf ça.
Genre le premier coup passe, mais le deuxième non. Sauf si j'attends un peu, c'est bizarre. Peut-être parce que c'est un coup des stocks et pas de perforant. Oh oh oh. Vous voyez? Putain, la Prestige Edition, elle claque quand même. Hein. Mais elle est chère sa race, non? C'est Période 33 qu'il a acheté? Je sais pas, il avait juste passé le lien d'image. Alors, plébéien, pour ton message de tout à l'heure que j'ai pas vu, Demon Souls pour l'instant est pas l'air si dur que ça parce que Maxime est toujours pas mort. Ça ne veut rien dire. J'ai eu peur de mon propre truc. Je sais pas s'il m'attaque ou pas. Ah si, il se rapproche tous de moi. C'est des zombies ou des serpents, des hommes lézards? Putain, ils sont une chier en fait. Et je... C'est horrible. Le... La 3D du son est un peu chelou en fait. Ah. Putain, en plus, faut vraiment pas que je meure parce que j'ai une âme de je sais pas quoi là. Putain, ils me font gagner que dalle en XP par contre. Ah oui, t'as l'âme du démon, du coup t'es humain. Ouais. Tellement logique. T'as l'âme du démon, du coup t'es humain. Putain, il était trop bien lui quand il est mort. Le mec il meurt comme d'un... Putain, j'ai des éclats de pierre dure, mais genre une chier quoi. Il y a des bruits chelous là. J'avais pas vu. Il y a des loups. Merde. Oh putain, je déteste ce genre d'animaux. Dans les jeux. Dans la vraie vie aussi. Hein. Que ce soit clair. Oh non, mais non, mais putain. Allez, attendez, allez. Maxime va mourir. Il va mourir. Ah, t'en sais rien. Ouais, ce serait bête que tu partes ton âme si. Oh, ça serait logique en fait. Genre, tiens un cadeau et puis après tu meurs. Je suis toujours en vie. Ah putain, j'ai pas retiré les notifications de merde. Ouais, tu devais le faire après le live normalement. Ouais, j'ai pas fait, j'ai éteint la console comme un connard. Putain, c'est quoi? J'ai entendu un truc, ça m'a fait trop peur. J'ai cru au début que c'était toi qui rigolais de manière super chelou. Ça a fait genre... Comme ça, ça fait genre... Il rigole de manière étrange. Il y a encore une personne qui te demande ce que tu penses du jeu. Du jeu? Bah c'est vraiment cool pour le moment. Et en plus il meurt pas donc... C'est encore plus cool. C'est cool pour tout le monde. Bon, il y a un monsieur avec du feu. Ok, d'accord, on va s'en aller maintenant. Quoi, ça me rend que ça d'énergie? Peut-être le fait que tu sois humain. Non, c'est peut-être le fait que... Avant, ouais, ma vie a doublé, en fait. Et du coup, avant, ça rendait beaucoup d'énergie par rapport à ce que j'avais. C'est juste proportionnellement, je sais pas compter. Waouh! What the fuck? Bon, on va se barrer d'ici. Il y avait un escalier, on va tenter l'escalier. Et Minato il dit non, c'est pas cool pour tout le monde, c'est pas amusant. Je sais pas, le fait que tu sois pas mort. Mais c'est parce qu'il est jaloux. D'accord, donc il y a un raccourci ici, mais je ne peux pas le prendre. Mais je vais mourir contre les mecs de flammes là. J'ai rien d'attaque à distance. Apparemment, ça, tout le monde disait que t'allais mourir hier sur le live. Donc. Ouais,
Putain, mais j'ai pas envie de mourir, moi. Si je meurs, après, les gens, ils vont faire « Ah, t'es nul. » Merci beaucoup, Adablax, qui dit « Merci pour ces livres qui nous divertissent et nous changent les idées, Dabalk. » Ah, merci, Dabalk. Dabalix. Parce que tu mérites bien qu'on t'appelle pour de vrai. 460 balles, édition prestige. Mais les mecs, mais allez vous faire foutre, quoi. Tellement cher. Oh putain de Sarah, je vais mourir. Il a fait un don, j'ai pas vu s'afficher sur le live. Hein. Ah bon? Non, je sais pas, moi j'ai rien. Merde, vu. Vous avez pas vu s'afficher sur le live? Ah non, John 19 confirme, on voit pas les tips. Bah. Ah ouais, non, c'est bon, c'est rétabli. Ouais, désolé. Mais merde, du coup, c'est, vous l'avez entendu, donc c'est déjà ça. Je crois qu'il y a Azid qui s'est abonné avant juste avant le live, je crois. Ah, c'est possible. J'avoue que j'ai redémarré plusieurs fois mon chat, donc s'il l'a fait, je ne l'ai pas vu. Eh bien, Azil, merci à toi. Parce qu'en fait, j'ai vu marquer Azil s'est abonné juste avant live, je me suis dit, mais il était pas déjà subscriber. Bah ouais, dans ma tête, si, mais... Ouais, peut-être qu'il avait pas renouvelé... que du coup, il s'est abonné. Eh ben, Tabalix, je suis désolé, mais en tout cas, les gens ont entendu ton message, et je te remercie énormément. En plus, c'est dommage parce que vous avez raté les... Non ! What ? Vous avez raté les... C'était un pénis qui danse. Il avait donné 5 euros. En tout cas, moi je l'ai vu. Ne t'en fais pas. Attendez, c'est pas là qu'il faut que j'aille ? Ah si. Non mais arrête ! Putain, caméra de ta mère ! Allez, viens maintenant. Si toi aussi tu aimes les caméras de Dark Souls et Demon Souls. Satan qui tourne bien le côté de la porte. Alors qu'en plus il y a un ennemi juste derrière. C'est insupportable. Mais bon, on va dire que c'est pas leur faute et ils sont nés comme ça. Je trouve qu'il est plus dur, hein, en vrai. Le gameplay est vraiment plus lourd et plus contraignant que dans Dark Souls, quoi. Ah, ils ont dû améliorer après. Ouais. Ouais, mais en même temps, je pense que ça peut faire partie du charme quand t'as... Quand t'as connu ça en fait à l'époque. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Demon Souls. Je pense que si. Hein. Je sais pas, j'avais pas de PS3 donc. Moi non plus. J'ai eu la PS3 quand la PS4 est sortie à peu près. Ouais, j'aurais pu, mais je me sentais pas d'acheter le jeu 70€ de toute façon. On est bien d'accord. J'ai trouvé une pioche, j'avais pas besoin de l'acheter. Essayez de m'arnaquer, bande de salauds. Pas vous, hein, le jeu. Ah non, il y a monsieur fils de pute. Et il m'a vu. Ok, c'est bon, monsieur fils de pute, 1, éviter. Il y a Deadcap qui dit qu'il attend ton chèque du tiers de ce que te rapportera la nouvelle chronique, car c'est lui qui t'a fourni le deuxième jeu. C'est vrai? C'était quoi, Zéro Reflex? Non, je crois que c'est le jeu de l'œil, tu sais, là où tu... Ouais, Zéro Reflex. Ah, d'accord, ok. J'ai pas retenu le nom. What? C'était trop bien, ça, non? On a eu tous un peu peur, enfin moi surtout. Alors moi je viens juste de devoir tomber dans le vide. C'est ce que je dis, on a tous eu un peu peur. Bon, on avait des gens, ils ont dit, il va mourir. Ouais, on peut faire des backstabs, j'étais plus sûr. Bon, par contre, ça lui a fait rien du tout comme dégâts. Hein. C'est des backstabs en carton.
Ok, il y a toute la famille qui vient là. Faut se retenir un peu les mecs. Pardon. Ah c'est drôle, c'est du coup chez Katozeus qui dit t'as fait le cri du ventre. Ça pour moi il a pas fini Demon's Souls, j'ai dit qu'il faut qu'il le finisse. D'accord. Alors, à mon avis tu vas avoir du mal à reprendre Katozeus, hein, parce que... Clairement là j'aimerais pas reprendre ce jeu. C'est pour ça je pense qu'il y aura... Enfin c'est peut-être possible que je m'y mette à donf, mais je pense que... Ah non. Putain j'ai trop peur. Ouais parce que comme tu disais, c'est Dark Souls 3, il sort, tu vas pas finir, ouais. tu le reprendras plus tard, mais ça arrive d'être chaud. Oh non 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 non. Putain de merde, non. C'est bon. Si je ne finis pas Dark Souls... Enfin Demon's Souls avant Dark Souls 3, ce qui est sûr à 90% les mecs, hein, faut être raisonnable. Ne vous inquiétez pas, je le... comment ça s'appelle? Je le terminerai plus tard, après Dark Souls 3 tout simplement. Et du coup tu avais dit que tu ferais des lives nocturnes? Ouais, j'en ferai certainement, je sais pas quand. Je vous préviendrai généralement en fin de live. Là ce soir... Non, ce soir peut-être pas. Peut-être que cette nuit je ferai un live sur... Peut-être que je ferai un petit live sur Trackmania, il y a des gens qui en voulaient. Ça vous dirait un petit live de nuit de Trackmania? Si vous l'avez, on pourrait y jouer d'ailleurs. Trackmania Turbo, hein, par contre, le tout dernier. Bon, je suis nul, hein, je vous préviens. Ne venez pas sur le live pour voir du skill. Enfin, en même temps, est-ce que vous êtes jamais venu sur un de mes lives pour voir du skill? Il y a Xevinit, il a commencé avec Demon's Souls, il l'a pas du tout aimé. Par contre, il a presque fini Bloodborne et il est à fond sur Dark Souls 2. D'accord. Moi, j'aime pas du tout Dark Souls 2. J'ai vraiment adoré Dark Souls premier du nom, par contre. Objet. Hop. Pierre aiguisée de Edge, j'en ai deux. Ça coûte 2000 boules, hein, les pierres aiguisées, je le rappelle. Donc on va la consommer avec amour et pérennité. Ok, il y a un objet là, non? Je crois que oui. Salut. Meilleur message du monde. Ah, et on active le levier. Le level design est moins cool que dans Dark Souls, je trouve. Il y a Fan qui dit dommage que Trackmania Turbo soit une arnaque de fou sur PC. Ah bon? Moi je trouve qu'il est bien. C'est quoi l'arnaque en fait du coup? Bah ouais, je suis au courant de rien, moi. Je connais Trackmania de base, mais je connais pas Trackmania Turbo. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Enfin, je sais pas pourquoi il dit que c'est une arnaque. Est-ce que tu peux développer, mon cher Fang? Non, pas Fang, pardon. C'est qui fait ça? J'ai perdu. J'ai perdu, mais qui est-ce? Ah, si, c'est Fang, c'est ça, c'est bien Fang. Et il a rajouté aussi bon soit-il. D'accord, pourquoi c'est une arnaque du coup? Qu'est-ce qui te fait dire que le jeu est une arnaque? Parce que je suppose que tu ne sors pas ça de tes chaussettes. Enfin, j'espère. Oh mon dieu. Les morts de manière non épique à répétition, c'est une certaine forme de skill. Ça doit être ça. Ah, j'avais cru espérer que j'allais ouvrir ça, mais non. Je t'ai envoyé un mail pour une idée à propos de Hitbox. Le reste, c'est bien globtopus@gmail.com. Tout à fait. Je regarderai ça tout à l'heure. Tu le vois où ce message? C'est un whisper. Hein? Ok, donc là je sais pas où je dois aller en fait. Peut-être que là-dedans il y a un truc que j'ai débloqué, je sais pas. Oh, toujours pas de nouvelles de Fang pour l'instant. Peut-être qu'il écrit un gros texte. Ouais. Bon, si c'est un gros texte, je te laisserai le lire, hein, parce que sinon... Ouais. Ça fait lourd à lire après. C'est pas là. Ah, c'est ce qu'il dit. J'ai écrit un paragraphe argumenté, synthétisé, je te l'envoie. Ah, pas de soucis. Après, ne te fais pas de bile dans le sens que je ne m'inquiète pas. Enfin, je
ne chercherai absolument pas à défendre ce jeu. Et là, Maxime va recevoir une argumentation de 5 pages par mail. Alors, première étape. Ah, vous croyez que je peux le rejoindre sur la barre en métal? Ça paraît chaud. Ah, mais c'est genre un boss. Est-ce que c'est un boss, ces gens? Ça a l'air d'être un boss, je sais. Et Azuka, qui dit quand je vois des commentaires haineux sur ta nouvelle vidéo, je sais pas comment tu fais pour rester calme. Moi non plus. Bah, vaut mieux en rire. Ouais. Okay. En vrai, je reste pas vraiment calme. Je m'énerve, mais je m'énerve tout seul. Comme ça, je dérange personne, vous voyez. Ouais, tu sais, un peu. En plus, ça sert à rien de s'énerver en commentaire, de toute façon, ça mène à rien. Attendez, c'est un ennemi! Oh shit! Je croyais que c'était un truc bonus. Putain, c'est quoi? C'est quoi ce truc? C'était une torche? Non, je croyais que c'était les trucs, les lézards qu'on peut attaquer là. Pour avoir des bonus. Ouais, c'est un vrai ennemi! Non! Il est trop drôle. Merde, le gros con! Le live sur Trackmania, je sais pas quand. Ça dépend à quelle heure se finit ce live là, je vous le dirai à peu près. Putain, j'ai failli me faire buter par un lézard de merde. C'est une salamandre de feu. C'était un gecko. Ah non. Ouais, une salamandre c'est pas un gecko, c'est différent. Ouais, mais il avait vraiment une tête de gecko. Ouais, bah alors tu dis pas salamandre, tu te tais, c'est tout. C'est pas moi qui l'ai dit. Hop, herbe de demi-lune, ouais. Il y en a qui disent le gecko crameur, mais c'est quoi là au final? C'est vrai que c'est pas marqué dans le jeu en plus. Non. Ouais, si c'est enflammé, c'est plus une salamandre, je pense. Hein. Tu dis ça parce que c'est la mèche? Non, parce que souvent les salamandres, ça remonte de feu dans le jeu. Ah ok, ça a l'air d'être un peu la mort cet endroit de merde. Putain, pourquoi il fait pas les mouvements que je lui demande, quoi. C'est assez horrible, ça. C'est pas la première fois dans le jeu, en plus. Non, mais je pleure pas d'être là, parce que chez les geckos, on est très raciste, on n'aime pas les salamandres, de toute façon. J'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Du coup, c'est espéciste, carrément. Classificationniste, même. Parce que les salamandres et les geckos, c'est quand même d'un côté des reptiles et de l'autre côté des putains d'amphibiens. Ok, je vais mourir. Alors, retirer de la liste des bonnes idées, aller réveiller les salamandres en feu de merde. Regardez comment elles bug tout, c'est trop bien. Ok, mourons ensemble. Non, c'est bon. C'était quoi l'objectif? Pas mourir. Je sais pas, j'ai eu... semblé d'avoir entendu dire salamandre. Elle me défonce ma race. Disons-le poliment. Celle-là, elle a volé. Ouais, mais c'est vrai, les salamandres font partie de la classe des amphibiens, quoi. Ouais. Ça y en a encore d'autres. Elles peuvent monter, elles. On peut examiner le corps. Non. Ah, d'après Fenric, c'est un lézard de feu. Sans plus de... Voilà. Il donne un lien de Demon Suzuki. Ah, parce que ça a une tête de gecko. Hein. Attends, je vais voir le lien qu'il a donné pour plus de détails. Alors, description, Jumping Fire Lizard. Ok. Un lézard de feu qui saute.
Pourquoi ça foire mes attaques de merde là? Ça donne pas plus de détails que ça, ça dit juste les arts. C'est vraiment de la grosse merde. Le système de visée est vraiment. Encore une fois, dans Dark Souls et Bloodborne, c'était déjà pas la joie, mais là. Horrible. Je suppose que si je vais là, je meurs. Réfléchissez. Oh, t'es la love. Je vais peut-être y aller, du coup. Allez, venez vous battre, là, les gugus. J'adore Harry Potter. Ou bien c'était Retour vers le futur, je sais plus. Ça c'est Doctor Who. Oui. Ça c'est Star Wars. Ah du coup je me mélange dans les musiques, c'est un peu la merde. Bon, là, ça doit être un boss. J'aime bien dire à chaque fois que c'est un boss alors qu'il n'y a pas de boss. Qu'est-ce que... Comment il est mort? Il a pris un truc, il est remonté et... Ah, il y a Auron qui dit t'es con, c'est la musique de Titanic. Ah, désolé. Je confonds toujours Titanic et Zelda. Zelda, c'est cette musique-là. Ah, on m'a donné un autre lien pour le Fire Lizard, mais avec une description. Ah, il y a toujours un wiki qui est genre vide et l'autre qui est blindé. A chaque fois, il y a des trucs comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais... Vous trouverez une pierre solide, paraissez. D'accord. Je sens que je vais trouver la mort, ouais. Bon, ouais, c'est pas une vraie description, quoi. Il dit juste où ça se trouve, qu'est-ce qui se passe quand on les touche. Ouais, une description, quoi. Ouais. Non mais ouais, mais sur l'autre c'était mieux arrangé parce que l'autre disait description, stratégie. Ah et je suis revenu au-dessus de là où j'étais. Ok. Écoutez bien. Ok. Attention au menteur droit devant. C'est bon. Ah d'accord, c'est un message, t'as dit écoutez bien, alors du coup j'ai arrêté de parler, je me suis dit merde. Putain, j'ai activé le truc. Attendez, y'a un message là. Salut. Ça va ? Putain, les ascenseurs de ce jeu ont l'air horribles. Oh merde, je me suis planté. C'est un mec ? C'est la première fois que je vois dans le coin. Ah, c'est le pote de l'autre, c'est Ed. C'est Ed. Ah, il y a Figi qui dit c'est le raccourci pour accéder directement à l'étage. C'est cool. Donc je peux récupérer mon équipement. Ouais. Il n'y a pas une touche réparer tout. L'interface, c'était pas ça non plus. Et je peux améliorer mes armes. Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer mon arme ou pas, là, pour le moment? Genre épée longue plus 1 et tout. Un globi karaté, ouais, c'est vrai qu'en vrai, faut qu'on le fasse, mais. C'est quoi, c'est un globi, c'est un... On fait des... Tu passes des films. On fait un karaoké, quoi. Ah, j'ai compris, un globi karaté. Bah ouais, un globi karaté, ça va être bien aussi, hein. Mais j'ai pas spécialement envie. Passage à sens unique. Ouais. Passage à sens unique. Est-ce qu'on peut grimper dessus comme ça? Je vais réessayer. Comment on fait pour grimper?
comme ça. Putain, on est revenu au début, c'est trop bien. Best passage ever. Bah, on va revenir. Et je vais investir mes âmes. J'ai très très envie de d'uriner. Charmant. De quoi? Ah, il y avait Minato qui dit je conforme, il a dit Globi Karaté. Ah ben je me suis planté alors, désolé. Mais j'ai un casque, ouais, j'entends pas ce que je dis. Aussi le dit. Hein. Ah, mais j'ai un casque. Je suis désolé, j'entends pas ce que je dis. Ah, merci les gens, moi je passe pas pour un con. Si. Quoi? Je profite qu'on soit en direct, comme ça tu n'oseras pas dire non Maxime, mais j'aimerais que tu m'insultes un peu moins. Possible. Non. Désolé. Bon, je vais bouffer une âme pour voir ce que ça fait. Ouais, 200, donc c'est bien ce que je pensais, c'est de la merde. Il y a Fiji qui dit quand tu auras un moment, refouille le niveau 1 pour loot l'arc. Bah, je peux le faire. Hein. Attendez, je peux pas porter la super épée que j'avais trouvée. Allô. L'épée, c'était épée bâtarde. Elle porte bien son nom. Ouais, shut the fuck up. Non, je peux pas la porter. Ah merde, apparemment Fang a répondu par rapport à Trackmania. Merde, j'ai loupé le message. Quel enculé. Ah oui, okay, oui. Il a passé en deux messages. Si tu scrolls un peu en haut, tu pourras le dire. Ok, je regarde. Enfin, concrètement, Trackmania Turbo est beaucoup moins permissif sur l'éditeur de circuits que les anciens Trackmania, et surtout qu'il n'y a qu'un seul environnement qui est nouveau. Donc en gros, trois quarts de l'environnement sont dispo dans Trackmania 2, mais avec de bien plus grosses possibilités. Il y a beaucoup d'autres décisions incompréhensibles plus par Nadeo, mais ça agacera plus les fans hardcore de la série. Ça reste une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui découvre le Trackmania. Bah, moi, en fait, j'y joue rarement au Trackmania, donc c'était plutôt cool. L'arc devrait m'aider, d'accord, bah, je vais faire l'arc alors. Je vais aller uriner et je reviens. Pendant ce temps-là, Jex va vous expliquer pourquoi son jeu préféré c'est. Comment ça s'appelle ? Carmageddon. Alors, Carmageddon, le jeu que je ne connais pas, je l'adore parce qu'il est tellement mystérieux. On peut faire plein de trucs et tout. C'est bien. Et on peut faire, en plus l'environnement est cool parce qu'il y a des trucs sympas à regarder. Et vite Carmageddon. Ah c'est bien parce qu'on a une belle voiture, on peut écraser des gens non, et tuer des personnes qui sont à pied. On peut customiser sa voiture, mettre genre des roues qui coupent. On peut même mettre des pieux à l'avant et tout. Et on peut tuer des gens, et tuer des gens c'est amusant. En plus c'est gratuit donc c'est encore plus amusant. Ouais, j'ai trouvé des images de Carmageddon. Mais en fait, je connaissais, c'est juste que je m'en souvenais pas. Mais je crois qu'il y a une nouvelle version qui va ressortir, ou qui est sortie du coup, il y a pas longtemps. Ah, je crois qu'il a fini. Un gros bruit de chasse d'eau, on dirait. Ah oui, ça va, Ecstasy, merci. Et toi, est-ce que ça va? Ouais, c'est vrai, je manque de passion pour mon jeu préféré, Frexy, désolé. Non, mais n'empêche,
J'aimerais bien essayer parce qu'on peut écraser des gens et tout là, les mutiler, les couper en deux, ça a l'air amusant. Moi je pense pas que j'achèterais, mais je l'essaierai. Mon vrai jeu préféré. Je sais pas, j'hésite. Je suis très fan des jeux de rôle, mais j'adore la série des Prince of Persia. Mais du coup, je dirais Dragon Age Origins, je pense. Heureux. Tu veux faire du live sur Dragon Age? Hein? Non, non. On m'a demandé mon jeu préféré. Ah, c'est Dragon Age Origins ton jeu préféré? Bah, je sais pas, en fait, comme je dis, j'ai beaucoup de jeux de rôle, mais j'adore Prince of Persia, mais du coup, j'hésite. Ce Prince of Persia, j'adore vraiment, mais après, j'adore beaucoup le jeu de rôle. Hop. Bon. Mais ouais, Dragon Age Origins m'avait bien marqué quand il était sorti. J'enlève le mute, mec. Je ne parlerai plus de ce live pour la peine. Maintenant, c'est Jex qui doit présenter le jeu et faire mes réactions. Ouais, donc voilà, Demon's Souls, c'est un jeu pas terrible, hein, comme les Dark Souls. Tu manges quoi, des chips? Non. Ouais. Une cracotte avec du fromage. Ah, oh, ça va. Dabalix, on peut faire les trois, c'est ça qui est bien. Merci. Katsuiza. Donc comme j'ai un retard vidéo et que j'entends que les bruits, je pense que Maxime est en train de marcher dans un champ de biscottes dans Demon's Souls. C'est peut-être possible. Ah oui Alexis, j'avais vu ce jeu-là, il est rigolo. J'essaierai bien. Quel jeu rigolo? Ah oui, je crois que ça me dit quelque chose. Et après. Ah, non, c'est bon. Un bébé qui tourne, d'accord. Ouais. C'est moi ou il y a plus d'ennemis qu'avant? Oui, j'aime bien Mass Effect, Drag. C'est fou, il aime pas. Oh, je peux pas passer là. Les gens disent tendance du monde. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, moi je vais one shot le mec. One shot. Non, tuer le mec qui one shot. C'est ça que je veux dire. Le mec en rouge? Ouais. En espérant que ce soit lui qui est. Alors, Lord of the Fallen, si tu peux y jouer, quoi. Il est quand même pas mal buggé. Et le jeu est assez lourd. Le terme que j'utiliserais, c'est vraiment lourd. Bah pour le coup, t'es un peu proche, t'es à peu près dans le gameplay de Demon's Souls. Bah, la fin de Mass Effect 3, Phoenix. Bah, avec le DLC, elle passe mieux déjà, le DLC gratuit. Hein. Elle passe un peu mieux à la fin, mais après, disons que c'est. Je sais pas, je m'attendais à autre chose. Ok. Je sais plus où c'était. Ah oh oui, c'est à gauche, en haut, je crois. Il y a Prozot qui dit faudrait que l'on me réexplique son histoire de calories pleines et de calories vides. En gros, quand tu manges, de toute façon tu vas gérer des calories. Ton but, c'est d'avoir des calories qui servent à quelque chose. Niveau nutriments. Donc soit tu manges par exemple un McDo, qui va se résumer à du sucre, de la graisse et un petit peu de protéines. Soit tu manges, par exemple, des légumes, où tu auras des fibres, des vitamines, des trucs comme ça. Des fruits. Sauf que, si tu manges par exemple
un McDo, tu vas avoir un max de calories. Sauf que tes calories ne t'apporteront rien en nutriments. Ça va être que de la merde, que de la graisse et du sucre. Donc tu ne veux pas ça. D'où le terme de calories vides. Et donc, tu vas prendre des calories, mais ton corps va passer au travers de ces calories en très peu de temps, et tu auras faim. Ah, par contre, t'as Illuminato qui dit, du coup, ouais. Fais le 2-1, ensuite le 3-1, et ensuite fais le 1-2. Non, mais là, je fais pas le 1-2. Hein. Enfin, s'il pensait que je faisais le 1-2, c'est pas le cas. Et il rajoute, arrête de tourner en rond comme un petit garçon perdu tout nu dans le Vatican. Non, mais là, je me suis dit que ce serait simple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, va chercher l'orc. Moi, je vais chercher l'orc. Je sais pas où il est, mais je vais chercher. Tu peux taper dedans, ça. Ouais. Du coup, il y a trois autres qui disent merci, je comprends mieux. Ah. Après, est-ce que c'est un principe scientifique pur? Je ne sais pas, ma gueule. Mais c'est juste un principe de nutrition, c'est que t'évites ça. Après, manger de la graisse, c'est pas grave, hein. C'est... En soi, il vaut mieux de la graisse que du sucre, hein. Ouais, mais le sucre se transforme en gras, de toute façon. Non, en gras, mais le gras et la graisse dont on est... Enfin, les lipides et le gras, c'est pas la même chose. Enfin, la graisse, je veux dire. En gros, manger gras... Genre, un avocat, c'est manger gras. What? Il a repris toute sa vie. Mais c'est des bonnes graisses. Faut des bonnes graisses. Ouais, mais en général, quand on dit manger gras, sous-entend le mauvais. Voilà. Le mauvais gras, on sous-entend. Ouais, voilà. On sous-entend généralement McDo ou des trucs... Il a combien de potions, cet enculé? Ah merde. Il y a Zentradix qui dit le corps stocke des calories inutiles quand tu manges McDo. Voilà. Oh putain, j'ai le truc qui bug là de s'abonner. Il y a la fenêtre s'abonner qui reste ouverte. Ah, il y a un objet là, je pourrais peut-être l'aller choper. Ah, du coup, pour revenir vite fait sur le jeu, il y a Mr. Jesh qui dit quel est le point commun et ou différence scénaristique entre les Dark Souls et Demon's Souls. Exactement. J'aime bien ce genre de réponse. Comment faire ramer ton jeu? Y'a pas une porte là? Il y a Globos qui dit mets-toi à poil, tu veux sauter de haut. J'sais d'accord. Pourquoi. En gros, quand tu manges, le truc c'est que si tu manges, ah merde, si tu manges, enfin si tu veux perdre du poids, le but c'est de compter tes calories. C'est le seul truc qui va te faire du poids, perdre du poids. Après, si tu veux bien manger, c'est les nutriments et les trucs et la classification des de ta bouffe. Après, le truc, c'est que quand tu veux perdre du poids, franchement, bien manger, ça simplifie les choses. Mais il y a des fois où c'est très relou et ça va t'entamer ton... Comment ça s'appelle ? T'entamer ton moral. Donc en vrai, ce qui est bien, c'est de faire en sorte de manger quand même de la graisse. Oh ! De manger quand même de la graisse et éventuellement du sucre, mais faut quand même éviter le sucre le plus possible. Et en gros, après, tu peux... si tu comptes, tu dépasses pas ton nombre de calories par jour et tout va bien. Tu vas perdre du poids. Au niveau choses sucrées, t'as plein de pâtisseries, enfin ou de pâtisseries, t'as plein de plats sucrés qui sont genre, il y a que du sans sucre, enfin que des sucres, des fruits et tout. Faut voir. Encore une fois, le nombre de calories t'aide vraiment à voir ça, quoi. Ouais, mais le problème c'est que quand tu le cuisines toi, tu peux pas savoir exactement le nombre de calories. C'est compliqué, faut regarder sur internet, faut... Oh shit, il est invincible lui. D'accord. Mais par contre, encore une fois, ne confondez vraiment pas manger équilibré et compter les calories. Ça n'est pas la même chose. Il y a Italina qui dit en tout cas, quand on regarde Maxime maintenant et les premières vidéos du fond de l'affaire, moi je dis GG niveau jet. Mais c'est ça, c'est que si tu comptes les calories, ça va marcher. Ouais, d'accord.
Je vérifie juste qu'il me poursuit plus. Si, il me poursuit toujours. Après, de toute façon, si vous êtes pas en. Enfin, si vous êtes un bois normal. Enfin, je veux dire, vous, si, oui, c'est ça, si vous aviez un IMC normal. Je sais. Mais que vous voulez bien manger. Il y a un truc facile, je sais qu'il y a une pyramide alimentaire, je crois, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Genre en bas, t'as tous les fruits et légumes et tout, et en fait, plus tu montes et plus t'as les trucs gras, la viande, tout ça. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu manges le moins, quoi. Ouais, c'est mieux de boire du coca avec ou sans sucre. Ça, sans, mais le truc, c'est qu'après, tu vas aller dans d'autres problèmes. C'est qu'en gros, encore une fois, si tu veux manger sain, tout ce qui est soda et trucs comme ça, tu vas éviter. Parce qu'en fait, les sodas, s'ils sont sucrés, bah c'est une merde pas possible, parce que c'est du sucre rapide que tu vas tout de suite stocker, c'est de la merde. Soit c'est sans sucre. Si c'est sans sucre, le problème c'est que tu vas ingérer des trucs qui sont pas terribles pour ton corps, genre l'aspartame et des trucs comme ça, c'est pas top quoi. Et sinon, pour sucrer, il y a la stevia. Mais je sais pas ce que ça vaut, les études sont pas terminées, donc on sait pas ce que ça vaut. Le problème, c'est que tous ces trucs-là peuvent avoir des conséquences sur ton corps qui sont pas top, quoi. Mais après, autant éviter. Mais la stevia, c'est juste une. Enfin bon, après, c'est une plante. Ah, mais ça veut rien dire. Aussi, le sucre aussi, c'est une plante, hein. C'est de la canne, du sucre de canne ou des trucs comme ça, mais bon. Habituez-vous à boire de l'eau. Hein. Ouais, franchement. Et puis encore une fois, buvez du thé, mais sans sucre, des trucs comme ça, ça rajoute du goût quand même, vous avez pas dit. Alors par contre, ouais, le thé sans sucre, si vous voulez boire du thé sans sucre et vraiment l'apprécier, ça fait cher, hein, mais je vous conseille d'acheter du thé qui coûte un peu plus cher. Parce que oui. Il sera meilleur et il sera pas beaucoup moins amer. En effet. Parce que du très bon thé, c'est pas du tout amer, sans sucre. C'est très bon. Moi, je sais que j'ai goûté un thé l'autre jour, il était super amer, j'ai trouvé ça pour vous. Ah bah oui, c'est ça, faut vraiment faire gaffe. Il y a aussi différents thés. Bon, le mieux reste le thé vert, hein, pour vous. Mais après, il y a différents thés. Pareil, dans le thé vert, il y en a plein. Le thé blanc, il est très bien. Je sais pas ce que ça vaut le thé blanc, j'ai pas regardé. Mais le thé vert, ce qui est cool, c'est les... Quand c'est que pour ton corps, c'est vraiment top, quoi. Après, encore une fois, le thé vert, il y a plein de types de thé vert. Il y a thé vert avec de la menthe, il y a thé vert nature, genre le thé chinois, quoi, qui est particulièrement immonde, selon moi, mais... Et voilà, après, chacun prend ce qu'il veut. Puis aussi, il y a le côté médicament, quoi, faut pas oublier. C'est-à-dire, des fois, il y a des trucs, bah, prenez-les, genre... Moi, je sais qu'il y a certains légumes, je les aime pas, mais je les prends comme un médicament, quoi. C'est genre, si je prends pas ça, bah, je vais aller moins bien, donc, bah, autant le... manger ça, même si c'est un peu moins bon que tel truc, et voilà quoi. Il y a Jokira qui dit café supérieur à all. Ah mais non, le café c'est pas top. Après, le café ça a des propriétés brûleur de graisse, je crois, mais je sais pas à quelle proportion. Je sais que récemment ma mère elle a acheté du thé blanc à 9€, il y a 45 grammes dedans. Dans la boîte, il y en a 45 grammes. Par contre, il est pas du tout amer. Il est trop bon. Moi, il est aromatisé un peu à la pêche et à l'abricot. Ah ouais. Mais franchement. Ce thé blanc, il est trop bon. Il coûte cher. Parce que, je veux dire, 8-9€ pour 45 grammes, ça fait mal au cul. Quoi. Ouais. Mais franchement, il est trop bon. Après, clairement, manger équilibré ne vous coûtera pas très cher. En fait, c'est simple. Soit ça va vous coûter de l'argent. Soit ça va vous prendre du temps, soit ça va vous prendre de la réflexion, à l'avance. Mais là, il y a moyen de faire tout ça, quoi. Déjà, vous allez manger moins de viande, du coup, ça va coûter moins cher. Enfin, tout à fait. Vous pouvez remplacer vos viandes. Après, je sais pas si y a des commerçants qui le font à côté de chez vous. Moi, je sais qu'il y a, par exemple, il y a un légumier qui fait des colis de légumes, genre pour 10 ou 20 euros, et il y a plusieurs kilos dedans de différents fruits et légumes. Ça vaut le coup, des fois. C'est trop compliqué, Figé. Et pour le résultat, on verra plus tard. Si ça ne te dérange pas. Mais merci beaucoup. On va revenir. On va peut-être pouvoir monter un... J'adore comment je roule comme un gros patasseuse. Si vous avez... quand t'aimes pas réfléchir, tu prends du temps. Et si t'aimes pas prendre du temps, tu dépenses de l'argent. Moi, je fais un mix des trois. Il y a Rampino qui dit le lait et la bière, c'est le nectar de Dieu. Ouais. Le lait, donc 100% graisse. Et la bière, 100% sucre, bien.
Ah, c'est ça qui est chiant. Après, j'ai pas looté l'arc, j'ai looté l'arbalète, mais c'est pareil. Ah oui, non, oui, faut faire gaffe, vas-y, non, si tu infuses trop longtemps un thé, après il devient pourri. Ah, niveau goût, ça doit pas être terrible. Mais bon, mon thé blanc, il faut l'infuser de entre 7 et 15 minutes, au choix. D'accord, charge équipement. Ah, il y a Death qui dit la tendance. Attends. La tendance blanc égale ennemi plus simple mais moins drop et moins d'âme et noir égale inverse. D'accord. Attends, la tendance de monde influe sur la difficulté des niveaux et ajoute différents événements pour aller vers le blanc, c'est en tuant des boss ou spectre noir. Vers le noir, c'est en mourant en étant humain. Hein? Ok, on verra ça. Hein. Thou stand. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the Lord. Putain, sérieusement, il manque 2 points d'âme. Slayer of demons. I am here for. Ta gueule. Insupportable quoi, il manque 2 points. D'ailleurs. Ça fait, c'est énorme, j'ai calculé parce que je bois du thé à peu près pendant 6-7 mois par an, parce qu'après l'été il fait trop chaud, j'y arrive plus. J'ai calculé, je bois entre 3 et 4 thés par jour, je mettais un sucre dedans, je crois que je mangeais à peu près 5 ou 4 ou 5 kilos de sucre par an, rien qu'avec le thé. Putain. Si j'ai vu ça, j'ai fait. Tu t'en rends pas compte en fait, c'est ça qui est ouf. Ouais, parce qu'en fait ça fait un thé, si tu mets un sucre dans ton thé, tu dis ah c'est pas beaucoup, mais en fait si tu calcules sur toute l'année, tu dis merde. 4-5 kilos de sucre, merde. Ouais, c'est chaud. Ça vient vite en vrai. Bon, je vais monter à un autre niveau direct. Ça va être bien long. Y'a pas moyen d'utiliser plusieurs d'un coup. Non. Hop, allez hop. De toute façon, c'est vrai que je vois Prazos qui dit qu'on mange trop de viande, mais normalement la viande, je crois qu'il faut en manger une ou deux fois par semaine, c'est ça, non? Ça dépend. Si vous voulez vraiment perdre du poids et en même temps non, juste garder pour votre manger masse équilibré, hein. musculaire, bah, c'est bien de manger des protéines tous les jours quand même. Après, protéines n'est pas égale à viande. Tu peux manger du poisson oui, voilà. et de la volaille, mais voilà. Bah, d'ailleurs, il vaut mieux manger de la volaille. Que de la viande rouge, hein, clairement. Hop, j'ai peu changé d'arme. Il y a Phoenix of Flame qui fait bordel, je crois que je vais mettre moins de sucre aussi. C'est ça ce que j'ai dit. Ah bah c'est ça, mais c'est ouf. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Bam, je fais plus de dégâts maintenant. Trop bien. Il y a Dabalx qui dit renomme le live Globi Nutrition, s'il te plaît. Attendez, pourquoi je peux pas marcher comme ça? Ah genre mon épée est trop lourde. Oh, c'est quoi cette merde? Bon bah attendez, je vais retirer ça. Je peux là? Ouais, c'est bon. Ah, ouais. Il y a Rodar qui dit le poisson et la volaille c'est de la viande. Ouais, mais c'est bon. Ouais, bon après le poisson c'est quand même pas la même... C'est pas pareil que la viande après. Encore une fois, après ça dépend ce que vous voulez. Toujours la même chose. Est-ce que vous voulez vraiment perdre du poids de manière rapide? Est-ce que vous voulez perdre du poids mais en gardant votre masse musculaire? Est-ce que... Ah merde, j'ai fait retrait, je voulais perdre. Je voulais mettre déposé. Bah, n'empêche, je vous invite à ne plus sucrer votre thé, ça va vous faire trier votre thé, hein, je vous le dis, parce qu'il y a des thés sans sucre qui sont pourris. C'est pas faux. Il y a Rampino qui demande si t'es végétarien. Et non, il ne l'est pas. Je ne suis pas végétarien du tout. J'aime beaucoup la viande. Si je pouvais manger que ça, je le ferais. Si vous voulez des infos, je sais que... Attendez, je sais pas si elle est connectée. Il y a Neko qui est vegan, je crois. Peut-être, si vous voulez lui poser des questions. C'est vrai que moi, végétarien, ça ne m'attire pas du tout. Moi, ouais, pareil.
Mais viande et viande, quand on parle de viande, la plupart du temps on parle de viande rouge. Après, niveau prot, vous pouvez avoir de la protéine un peu partout. Il y a de la protéine dans le. Comment ça s'appelle? C'est quoi dans les pois chiches, un truc comme ça? Il y a de la protéine évidemment dans les œufs, il y a de la protéine. Enfin voilà, si vous voulez de la protéine, vous en aurez. Hein. J'ai l'impression que la distance de chute est plus permissive que dans Dark Souls. Mais je me trompe peut-être, je vais peut-être mourir. Il y a Shula qui dit qu'il a perdu 10 kilos en passant végétarien. Ah, ça dépend. Bah, après, quand vous passez végétarien, le truc c'est que vous mangez naturellement beaucoup plus de légumes. Donc oui, si vous mangez plus de légumes, vous allez perdre du poids parce que les légumes vont remplacer ce que vous prenez de gras, etc. Et j'avais lu aussi que quand tu arrêtes le fromage, tu maigris pas mal, il paraît. Moi, par exemple, typiquement, le fromage, je pourrais pas m'en passer. Ouais, pareil. C'est, ouais. Je veux dire, c'est facile. Franchement, non, je pourrais pas vivre sans fromage. Ok, je crois que j'ai fait une grave erreur de changer d'arme. Parce que, eux, en fait, faut les transpercer pour leur faire des dégâts, et ça n'a pas l'air de marcher. Il y a d'abord ce qui dit, je fais partie de la minorité à qui il manque du poids, des conseils pour prendre du poids. Ouais. Déjà, t'évites les graisses et tout ça, parce que ça va te faire prendre du mauvais poids, donc tu veux pas prendre du mauvais poids. Du coup, protéines, ma gueule. Tu prends du putain de beurre de cacahuète. T'en prends 2 cuillères par jour, tu vas voir que tu vas prendre du poids, ma gueule. Et en plus, tu peux... Enfin, après, le mieux pour prendre du poids, c'est prendre du muscle, mais... Parce que ça sera plus efficace que prendre de la graisse. Mais bon, c'est pas simple. Ouais, je pense que je vais mourir si je fais ça, en fait. Est-ce que j'ai déjà essayé le comté de 28 mois? Bah, je crois qu'on en a acheté, là. Je sais pas si c'est du comté, mais... Après, j'aime pas trop les fromages très affinés. Souvent, ils sont très forts et piquants. Mais le comté de 28 mois, il est bon. Putain, faut que je change d'arme. Faut que je retourne au Nexus. Fais chier, la teub. J'aime tous les types de fromages. C'est pas un raciste du fromage. Ouais. Cool. Il y a Death qui dit pour les mecs avec une pioche, ouais. Une arme avec des dégâts perforants. Enfin, je pense qu'il voulait écrire perforant, pas performant, parce que sinon. C'est des dégâts performants. Il fait beaucoup de dégâts. Mais ouais, le mieux c'est vraiment compter avec le. Pour perdre du poids. Et pour en prendre aussi, hein. Si tu veux prendre du poids, tu te mets à 3000 calories par jour, tu vas voir. Si tu prends pas du poids, ma gueule. Merde, mais qu'est-ce que. Fais pas ça. Moi je suis pas contre les fromages qui puent, hein. Souvent ils sont bons. Il y avait quelqu'un sur le pseudo, sur le live qui avait un pseudo, c'était fromage qui pue. Ouais, là, oui, c'est vrai. En général, je suis pas fan des fromages italiens plébéiens. Enfin, j'ai goûté des fromages italiens, mais ils avaient pas beaucoup de goût après. C'est vrai que j'ai pas vraiment goûté beaucoup de fromages italiens. Gluptophane, comment prendre du poids? McDonald's. Franchement, il y a des burgers à 700 calories. Je sais pas comment ils font les gens pour manger kebab, franchement. L'autre fois, j'ai vu un reportage, il y avait un mec, je crois qu'il était à Istanbul, je sais plus, je crois, et il mangeait un kebab avec, dedans, il y avait des tomates, des cerises et tout. Très bien. Hein? Mmh. Bon. Apparemment, c'était bon. Mais le beurre de cacahuète, ouais. Ça serait le mieux parce que tu auras de la protéine, quoi. Et du. Comment ? Bon. Et puis, niveau gavage, c'est bien, quoi. Rodard, le pecorino au poivre, en fait, j'aime pas le poivre, mais le pecorino, j'avais goûté, je trouve qu'il a pas de goût. Franchement, je trouve vraiment qu'il a pas de goût. J'ai jamais goûté. Ah putain, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai...
On a acheté un monde d'or, mais c'était un monde d'or pourri qui avait pas de goût. Ah merde, c'est triste. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de monde d'or. Ouais. Moi, c'est celui que je trouve super bon, il a reçu pas mal de médailles. Bon, je me fie pas à ça, mais c'est surtout que je les vois sur la boîte, donc après ça me reste. Et la marque, ça commence par un B, je sais plus c'est quoi. Bon duel. C'est Badoz. Non, c'est le monde d'or de Badoz. Après, si vous voulez continuer à perdre du poids en mangeant du fromage, le camembert léger, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Il y a Shades of Nier qui dit c'est parti pour tentative d'invasion 4. Je sais pas, peut-être qu'il essaie de t'envahir. Ah, d'accord. Bah, ouais, mais si tu me tues, après ça va juste être ultra relou pour tout le monde en fait. Donc ce n'est pas très drôle. Bah, oui, parce que ça veut dire que je vais mourir, du coup je vais devoir recommencer. Sauf qu'au bout d'un moment, il va essayer de le refaire. Ouais, une fois. Mais non, il pourra pas t'avertir parce que si il te tue, tu seras plus humain. Ah oui, c'est pas faux. Faut faire du sport si vous voulez perdre du poids, les enfants, dit Katsuiz. Non, ça vaut pas le coup. Franchement, le sport, enfin, si vous faites genre une heure de sport par jour, ça couvrira la plupart du temps pas ce que vous ingérez comme calories en trop. Donc ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut, c'est un mix des deux, c'est faire des efforts physiques et surtout réduire votre apport calorique. Mais c'est l'apport calorique qui va d'abord faire votre perte de poids. Par contre, si vous voulez entretenir, clairement, le mieux, c'est faire du sport. Mais le sport, ça vaut pas le coup. Vous allez faire une heure de sport par jour, déjà, il va falloir les faire. Hein. Et ça va quoi? Retirer 3, 4, 500 calories de votre journée? Ça sera pas assez. Après, ça dépend de la masse que vous avez à perdre, mais bon. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire des Mars frits avec de la pâte à beignets. Ça, si vous gagnez du poids, à mon avis, c'est top. Hein. Vendu à l'origine dans des friteries écossaises. Vendu. Il y a Jim Corrigan qui dit une bonne gastro pour perdre du poids, ça marche toujours. C'est vrai. Voilà, je crois que c'était ça. Oh! Putain, mon perso, il est aussi souple qu'une barrique. C'est trop drôle la masse de gens qu'il y a là-bas. D'accord avec toi, Dark Souls. Moi, perso, je pense que je pourrais vomir si je mangeais un Mars frit. Enfin, de la patate. Je ne suis pas mort. Ah, c'est quoi cet esprit rouge? C'est quoi? Non, je sais pas, il y avait un fantôme tout rouge. Ah, c'est les morts. Ah bon? Non, mais... C'est vrai, j'avais oublié. Ou bien c'était un mec qui a réussi à m'envahir. Mais je l'ai pas du tout vu, donc ça me semble bizarre. Normalement ce serait marqué, non, si quelqu'un t'envahit, je pense. Je sais pas. C'est toujours marqué en général. C'est Globi diététique. Mais après, de toute façon, si vous faites un régime, un truc comme ça, il faut de temps en temps aussi se laisser un peu de repos par rapport à ça, ouais, de plaisir, parce que c'est vrai que... Bah sinon en fait votre moral il va descendre, enfin moi là je sais que de temps en temps voilà pendant un repas, bah, je vais faire un repas normal par rapport à mon régime et du coup bah ça fait du bien quoi, ça vous repompe. Hop. Y'a pas moyen de leur balancer quelque chose sur la gueule hein? Bah c'est pas bon de louper les repas hein, Dead Cat. Non. Bah c'est même plutôt l'inverse parce qu'en fait ton corps il sera pas habitué et du coup il va faire « Oh bah du coup je vais garder tout !» Et la prochaine fois, il encaisse. Oh non, je pense que je vais mourir. C'est dit qu'il a loupé 4-5 repas en 3 semaines et il a dû perdre 2 ou 3 kilos. Ouais.
Super, mais tu sais, quand tu fais ça, tu perds de la protéine, en fait. Donc, tu perds de la masse musculaire. Donc, c'est de la merde. En vrai, la plupart des régimes que vous ferez, la plupart du temps, vous allez négliger les protéines. Sauf que les protéines, c'est ce qui fait vos muscles, là, les mecs. Donc, le muscle, vous le perdez très rapidement. Sauf que si vous perdez du muscle, je peux vous assurer qu'à la fin, vous allez être tout maigre. Et c'est tout. C'est pas ce que vous voulez. Personne ne veut être tout maigre. Le cas de si j'ai pas faim, Bah, tu te forces, en fait. Ouais. Tu manges un truc que t'aimes bien, tu manges un truc que, sinon qui est calorique et qui est pas... Genre tu manges des lentilles ou un truc comme ça, qui te permet d'avoir quelque chose dans le bide, je sais pas. Souvent le midi j'arrive, j'ai pas trop faim, je me force un peu, je mange 1 ou 2 cuillères et là et ça commence à venir, après hop, je L'appétit vient en mangeant. Ouais, mais c'est vrai, c'est des fois j'ai pas trop faim, mais je commence un peu à manger et au final, finalement je commence à me dire tiens ouais j'ai un peu faim. Et Félix Aflame qui dit manger moins salé, ça fait maigrir aussi. Possible. Ah, je connais pas tous les trucs de micronutriments et apports variés. Il y a plein de trucs, plein d'astuces vraiment cool à savoir. Mais je connais pas tout ça. Et puis quoi qui dit le sel favorise la rétention d'eau. Ah oui d'accord. Après la rétention d'eau, ça peut être un vrai gros souci pour certains. Moi je sais pas ce que ça me fait. Je vais essayer une herbe de la 2001, voir ce que ça fait. Ouais, ça fait gagner plus de vie effectivement. Il y a Katsuza qui demande comment tu sais tout ça. Bah à force de faire des recherches, à force de... En gros, je suis allé sur Reddit, sur les trucs de fitness, sur les trucs de muscu, de machin. Parce qu'en gros, les trucs de muscu, c'est aussi typé... la plupart des... Enfin, il y a beaucoup de gens qui font de la muscu, c'est pas pour être une putain de grosse barrique de muscles, c'est simplement pour perdre du poids et être... normalement musclé, quoi. Et du coup, ça vous permet de voir les apports qu'il faut, les trucs qu'on... Les trucs que les gens négligent, les trucs voilà. Parce que on a beau savoir comment bien manger, en vrai on sait pas exactement comment bien manger, on pense certains trucs qui sont faux, enfin voilà, c'est jamais... C'est franchement pas simple de bien manger, hein. Genre, tout le monde vous dit, ah, il faut prendre un grand petit déjeuner, ah, il faut manger des céréales. Non, les céréales c'est que des calories. Ça vous apporte quasiment rien, les céréales que vous mangez le matin, c'est genre... quasiment que du sucre. Il vous faut pas ça. Et ensuite, un petit déjeuner léger, mais correct, c'est largement mieux. Pour vous. Mais le truc, c'est que c'est pas... Enfin, on le sait pas, c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est des vieux réflexes que nos parents nous ont donnés parce que, bite, ils ont été élevés par leurs parents qui, eux, ont fait la guerre. Et voilà, quoi. Ouais, moi ça me rappelle le matin quand je me levais à 6h30, je mangeais des céréales, arrivé à 9h, 8h30. Waouh, j'avais pas vu. Et c'est trop fun, t'es en cours et j'ai la faim. Et ouais. Tu peux pas bouffer. Il faut que t'attendes midi. Ah, parce que c'est que des sucres rapides. C'est que des sucres rapides. Si vous voulez manger quelque chose le matin qui vous tient au ventre, c'est simple, vous prenez une pomme, un peu de pain complet, et là déjà ça vous tiendra plus. Et un thé, histoire de, mais. Mais pareil, le problème c'est que le pain complet c'est bien, mais si vous en prenez trop, c'est que des calories quoi. C'est du sucre, hein, ça a beau être du sucre lent, c'est du sucre. Hein. C'est compliqué. Ouais, j'imagine que tu avais les questions des gens qui te demandent qu'est-ce qu'il faut manger au petit-déj. Ah non, j'ai pas vu, mais moi au petit-déj, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle je mange une pomme. Et c'est tout. Alors, au début, c'est chaud, parce que vous vous dites, putain, mais je tiendrai jamais avec une pomme dans le bide. Et puis, à force, vous vous y faites, et puis voilà. Mais après, si vous voulez manger un peu plus, y a des trucs pas mal équilibrés que vous pouvez, mais faut voir les calories, quoi. C'est ça le plus compliqué, à l'heure actuelle, pour moi, c'est me dire, ouais, mais ça, c'est bien, mais niveau calories, c'est pas top, quoi.
Il y a Shades of Nier qui joue avec la version US, du coup il peut pas t'envahir. Il quoi? Il peut pas t'envahir parce qu'il joue avec la version US. Ah. Ah, c'est cool. Dommage. Enfin, je dis dommage, ouais, mais en même temps, tant mieux pour moi. Manger une Granny Smith le matin, ça remplit. Hein. Manger une pomme entière, si vous. Avec ça, vous prenez un thé. C'est pas mal, hein. Après, ça dépend de la pomme. Hein, oui, évidemment, si tu prends une toute petite pomme. En général, c'est pour ça que je dis une Granny Smith, bah après faut aimer, hein, parce que bon, elles sont un peu acides, mais elles sont en général, elles sont grosses. Et moi, j'ai du mal à la finir en général. Après, un truc qui est bien le matin, sinon, mais après, c'est calorique, donc faut faire gaffe. C'est une banane. Vous aurez plein de potassium, ça va bien vous réveiller. Et c'est. Quand c'est bien nutritif, c'est bien bourratif, c'est cool. Sinon, vous pouvez manger du fromage blanc, pas léger. Pour avoir des graisses et des bonnes graisses. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez manger d'autre? Bah, les Belvita. Un sachet de Belvita, ça passe. Tu disais? Non, c'est Voice of Rune qui dit le pain complet, c'est quand même moins calorique que le pain blanc. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis pain complet. Prenez pas du pain blanc. J'ai envie de dire, prenez jamais du pain blanc. Mais bon. Ouais, mais pourtant la baguette. Bah, c'est ça. Ah, tu prends une baguette au pain complet? Alors j'ai vu quelqu'un qui parlait de d'œufs. Effectivement, les œufs c'est bien le matin, mais faut aimer quoi. Tout le monde n'aime pas. Avec deux tranches de bacon. Alors tu peux le bacon, c'est comment? Le bacon c'est la manière de le cuire quoi. Après et puis combien t'en prends. Mais tu peux prendre du bacon parce que c'est des bonnes graisses. Mais faut pas, il faut pas en prendre beaucoup, une tranche quoi, tu vois. En fait, il faut faire comme les Américains ou les Anglais. Là. Ouais, en vrai, les petits-déj américains, allemands et tout ça sont vraiment beaucoup mieux que nos petits-déj. Hein. Dans ce que je vois des apports, etc., c'est vachement mieux. Je sais pas où il faut que j'aille. Ah, attendez, je suis pas allé là-bas. Bon, du coup, il y a tout le monde qui va de sa petite idée. Ah, mais il y a plein de trucs à faire, hein. C'est ça qui est cool. Du coup, il y a Alexis qui dit fromage blanc avec ou sans sucre. Sans sucre. Ah. Non, il a marqué suc. Eh bien, sans suc. Ouais, c'est problématique, la présence de sucre, l'absence de sucre. Jamais. Enfin, franchement, si vous pouvez éviter de mettre du sucre, n'en mettez pas, quoi. Ouais, franchement. Ouais, c'est comme tout, hein, le café, la qualité du café, ça changera le goût aussi. Ouais. La machine aussi. Moi je sais que j'aime pas du tout le café de toute façon. Ouais, pareil. Par exemple, pour le café, privilégier le café qui est en grain. C'est vrai. Pas déjà moulu. Parce que il perd tout hein, quand il est déjà moulu, c'est de la merde. J'ai un anneau de résistance au poison. Il arrive du fromage blanc avec du miel. Le miel c'est pas top hein, Eric. Ça reste un sucre blanc de base, quoi. Donc, en vrai, le miel, faut éviter. Hein. C'est relativement calorique et c'est du sucre, quoi. Après, pour une bonne alimentation, sauf si vous voulez perdre du poids, j'entends. Si c'est pour une alimentation normale, oui, vous pouvez, de toute façon. Mais moi, là, je parle dans le cadre de perdre du poids. Dans le cadre de perdre du poids, il faut, de toute façon, viser le... Comment ça s'appelle ? Non, mais par contre, même sans perdre de poids... Même sans perdre de poids, les céréales le matin, c'est de la merde. Hein, oui, clairement. Genre, moi, maintenant, je me lève à 6h30, mais si vous levez à 6h30 du matin comme moi, ne mangez pas de céréales, c'est de la merde. Des fois, à 8h, j'avais faim. Et j'étais là, je faisais... Alors après, en fait, du coup, le matin, je prenais un céréal, et je me prenais une pomme pour manger sur place quand j'avais faim. Genre franchement non, les céréales que vous faites un régime ou pas, évitez parce que c'est de la merde. Il y en a aucun qui est bien. Il y en a aucun qui est bien quoi, c'est ça qui est génial. C'est genre tu te dis ouais mais les machins, non c'est de la merde. Putain, enculé de merde. Il m'a pas eu là. Oh fuck. Comme il le dit Dabax, le miel faut le conserver pour le monde post-apo, c'est un aliment impérissable. Ouais, tout à fait.
D'ailleurs, c'est ça qui me fait rire, c'est que sur le poney, il y a toujours une date de péremption. Ah, on est mais... pareil sur le sucre, sur le riz, les pâtes, les machins. Attends. Et je me rappelle, c'est débile parce que. À une époque, on a gardé un pot de miel pendant un an, on l'avait pas mangé, la date de péremption était largement dépassée. Le seul truc qui lui arrivait, c'est qu'il est un peu cristallisé, c'est tout. Putain, je pense que je vais crever avec ce truc. Et à Globe, le lait, tu évites parce que c'est du gras en fait. Et en plus, je pense que, comme beaucoup de gens, tu peux avoir en plus des problèmes à le digérer. Bah, comme il a dit, n'oublie pas qu'il part surtout dans une optique de perte de poids. Ouais, ouais. Mais après, le lait, franchement, faut éviter. Bah, après, si tu manges du fromage, j'ai envie de dire. Non, parce que le fromage, c'est plus. C'est traité déjà. C'est pas forcément la même chose en fait. Traité comment? Bah, ce sera de la matière grasse, mais ça sera pas de la même matière grasse. En fait, le problème du lait, c'est surtout la quantité. Et le truc, c'est qu'on a tous tendance à chier dans la colle niveau quantité de lait. Ouais, bah, moi, le lait, j'en bois. Enfin, le seul lait que je consomme, on va dire, c'est avec celui de la mer. Gros, dégueulasse! À part celui-là. En plus, il doit être bien pire que les autres. Mais c'est le yaourt et le fromage, quoi, c'est tout. Ouais, bah ça c'est. Les produits laitiers, ça va. Il y a Glotophane qui dit mais et mes os alors? Et en plus, c'est de la merde ça! Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, 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 non! Comme dirait Grégory Le Marchal, je suis en vue. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là, je me suis trompé de truc. Tant pis. Putain, je vais devoir me rebattre contre lui, quoi. Alors, je l'ai hier, Larios, il dit, moi, je bois plus depuis longtemps, je pense qu'il parle du lait. Il dit, je bois du soja à la place. C'est super bon. Je sais pas, jamais goûté. En vrai, il y a des trucs qui sont ultra bons et qu'on goûte pas parce que bits, mais qui sont vraiment bons, donc je sais pas. J'ai jamais goûté tout ce qui est. Quoique si, peut-être une fois. Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps. Puis le problème, c'est la Oh, il y a des araignées, c'est ça. Le problème aussi, c'est la transition. Hein. Quand vous êtes habitué à du lait et que vous buvez du lait de soja, vous allez faire ah, mais c'est dégueulasse. Ouais, ah faut s'habituer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que c'était une araignée géante. Mais Glotoven dit comme ce non 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 était bien placé. J'ai peur les enfants. Lire message, je vais lire le message. Attention à la tache de sang droit dehors. Drakmor dit, les criquets c'est considéré comme de la viande. Je crois que oui, mais du coup ça doit être pas mal niveau protéines. Qu'est-ce qu'il fait les... Sans plus tard on mangera tout. Ah d'accord, il y a un trou. Ok, donc si je vais là, ça tombe. Je pense. Le capitaine Moustache qui dit, je sais pas si c'est une bonne consommation, 3-4 fois par semaine, de poison, est une mauvaise chose. Non, c'est plutôt pas mal. Tu vas perdre du poids. Oh, ah, il s'est corrigé.
Il voulait dire de poisson, apparemment. Ah, le poisson. Franchement, le poisson, c'est plutôt cool. Hein. Après, quand ça dépend le poisson, quoi. Mais normalement, le poisson, c'est safe. C'est comme la volaille. Hein. Tu peux en manger quasiment tous les jours. En général, on n'en mange pas assez, en plus. Ouais. Après, le problème du poisson, c'est sa provenance. Parce qu'en fait, l'eau peut être pas terrible pour le truc. Et blablabla, et blablabla. Ça peut être pas terrible. Ouais, selon les élevages, tout ça. Faut juste faire gaffe à ça, quoi. Après, franchement, le meilleur, souvent, ça reste sauvage. Ouais, ça va être un piège, c'est ça. Mais comment je fais pour l'éviter, quoi? Il y a Benes qui dit « Perso, je bois du le matin, midi et soir, durant la matinée et l'après-midi, je me fais aussi des verres de lait, je n'ai aucun souci, faut arrêter de dénigrer le lait. » Tout ça, c'est vrai, quoi. Je fais que... Je fais quoi, 200-300 kilos, là, tout va bien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a le fantôme fou qui dit j'ai envie de pisser, mais pas envie de louper une mort. Bon, à mon avis, vu comment Maxime se débrouille, tu peux y aller. Hein. Allez, ouais, mais j'ai pas envie, je sens que ça va être un piège. Donc quand je dis tu peux y aller, je parle à fantôme. Ah! Non! Putain, je le sens pas. Bonne nuit à Katsuisa. Ah, c'est le boss. J'adore le boss, tu vois juste ses yeux briller. Reviens le fantôme fou, vite, y'a le boss, vite. Non, je vais pas le battre maintenant. Ah, ok. Pénélette, il dit, non, je ne suis pas gros, je fais 59 kilos pour 1m80. 159 kilos pour... Non, mais je plaisante, Pénélette. Ah, en même temps, vu ton pseudo, tu comprends que j'ai des doutes. Mais y'a pas de raccourci. En fait, nous on dit Benenut, mais en fait c'est Benenut. Putain, c'est ça. On s'est fait piéger. C'est une cacahuète Benet, peut-être. C'est vrai. Drac-moi, bon, il me reste 3% de batterie, il faudra peut-être penser à mourir maintenant. Y'a Dead4 qui dit la mitridatisation peut être utile. C'est quoi? Je sais pas, c'est peut-être quand tu te transformes en mitril. Ça se tient. Je suis d'accord avec lui. Fais ça, Jax. On pourra te revendre. Comment... Après. Comment je fais une mitridatisation? Mais arrête de poser les mauvaises questions. Demande combien ça coûte. Putain, il y a Rampino qui dit « Et la raclette, du coup, c'est mal ?» Alors, la raclette, c'est peut-être la pire chose au monde, quoi. C'est... Et la fondue savoyarde. Ouais, c'est ouf, quoi. C'est trop triste quand t'aimes bien ça comme moi et que tu te dis ouais mais plus jamais je pourrai en manger quoi. Parce que comme mon avis de la fondue je pense que c'est peut-être pire que la raclette, parce que la raclette tu peux manger des légumes un peu avec. Genre pomme de terre. Qui mange des légumes avec? Bah la pomme de terre c'est un légume. Mais qui en mange des légumes avec? C'est personne. J'en prends de la pomme de terre moi dans une raclette. Non de la pomme de terre mais ouais. Mmh. Oui d'accord ouais. Ah, bah, c'est pas le meilleur légume du monde, c'est plus un féculent ouais, qu'un légume quoi. Genre tu prends une pomme de terre, tu l'enroules de saucisson, de jambon, de tranches de jambon, ensuite hop, tu mets avec du fromage et tout. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu pourras... Comment ça, tu pourras plus jamais en consommer, tu pourras manger une. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Ça veut dire que tu vas en manger une. Mais bon, pendant les deux prochaines semaines, il va pas falloir que tu manges, ma gueule. Ah, tu fais un peu plus de sport, après la... Ouais. Ou alors tu entoures ta raquette de salade, ça fait mieux passer. C'est bon, j'ai entouré ma top de salade. Ah, il y a Dead4 qui dit, c'est le fait de consommer du poison régulièrement pour en acquérir une immunité. Ouais, comme dans... Comment ça s'appelle, Princess Bride. Ça marche pas. Ouais, bon. Vous allez juste mourir. Mais bon, vous pouvez... Ah, j'avais oublié qu'il y avait le mec qui lançait les boules de feu. Désolé, si je te donne ça.
Molière qui dit raclette égale full fromage pour un cholestérol over 9000. On sait que je peux y aller. Merci à Evin Minato qui dit. Bonjour Maxime, je suis le fun. Tu vas me faire le plaisir de mourir et bêtement s'il te plaît. Et en vrai, je suis vraiment désolé parce que j'essaye de pas. Enfin. Ah! Je vous voyais que je fais quand même pas. Voilà, je fais pas quand même pas grand chose de bien là. Mais je meurs pas. Le jeu est trop facile. Il y a Dia qui dit qu'il lui semble que pomme de terre égale tubercule et non légumes. Mais en fait, c'est des. C'est un féculent quoi, donc. C'est un légume, mais c'est pas un légume. C'est un faux ami quoi. C'est l'ami qui va t'enculer pendant que tu dors. Oui, moi, c'est vrai que Vince, on ne le dit pas assez souvent, mais que c'est vrai que l'IMC ne différencie pas la masse. La masse maigre et la masse grasse. Oui, puis il faut vraiment différencier le muscle des os. De machin. Ah, d'accord. Mais après, tu peux. Ouais, les balances. Ouais, il y a des trucs spéciaux pour ça, quoi. Moi, d'après ma balance, j'ai 11 kilos de fat. Je dois en avoir, je sais pas, 30. Ça, pour 62 kilos, c'est pas beaucoup, je trouve. Non, ça. Oh, oh! Why did you hurt me? Avec un dit Club Fan, grâce à Globby Diététique, découvrez que tout ce que vous avez l'habitude d'adorer manger, c'est en fait de la merde. Mais c'est tellement ça! En fait, j'aime autant manger de la merde que des fruits. Ça va. Mais du coup, ça me fait penser en parlant de merde que. Pardon. Oui, Rex? Non, parce que non, ça me fait penser que si vous avez envie de boire quelque chose de sucré. Buvez Vasper limite... 3 litres. Vous faites un petit verre de jus d'orange. Bah, ouais. Non, mais pas du jus d'orange du supermarché. Aye. Franchement, non, non. Prenez une orange, vous la coupez en deux. Enfin, ou deux oranges, parce que sinon ça fait pas assez. Deux oranges, vous les coupez en deux. Vous récupérez le jus, franchement, c'est 100 fois meilleur que n'importe quoi. Non du supermarché. Je suis mort. Oh mon dieu. Wouh. Ah voilà, le jus d'orange. J'écoutais ce que tu disais, ouais, voilà. Moi je mange pas, je joue de la merde. T'as bien raison, bout de 51. Et du coup, faut que j'aille récupérer mes âmes. C'est drôle que vous soyez hyper, hyper heureux et hypé que je sois mort, quoi. Ah merde, ça me fait des dégâts quand je marche dans les débris de pierre. Ah, et Viminazo dit oui, tu dois récupérer les âmes. C'est grâce au don de Viminato que je suis mort, je précise. Sans lui, le fun serait mort. Et arrête de prendre des trucs dans la gueule comme si c'était tes cadeaux. Mais c'est n'importe quoi, j'ai vu, tu as avancé, t'as perdu la vie à cause de petits débris. Ouais, j'étais là, ouais. J'ai vu, ouais. Ah, mais je pouvais l'activer, ça. Putain, aussi bien, il y avait des cadeaux. Il y a Freezer Idol qui dit oh, j'ai l'impression que ça t'a saoulé. T'es viré. T'es viré du live. J'ai l'impression que Maxime n'aime pas mourir. C'est pas que j'aime pas mourir, c'est que le jeu est mal fait. T'as raison, Jack, ce jeu c'est de la merde. Ouais, t'inquiète pas, Zentradix il a l'habitude, hein, il a fait Dark Souls tout ça, il sait que s'il meurt, il dit adieu aux âmes. Ah bon? Comment ça se fait? Et pourquoi j'ai que la moitié de ma vie? Putain, le jeu rame sa mère! La PlayStation 3 a été mise à rude épreuve, il y avait deux mobs. Jouer sur console, au moins c'est fluide, comparé au PC où il y a plein de problèmes. Ah, j'aime ce moment pour pouvoir me moquer de ces gens. Wouah, putain, mais c'est injouable! Attendez, je vois rien là! Vous voyez ou pas sur le live? Que ça rame sa mère.
Parce que sur live, vous êtes en 25 images par seconde, donc peut-être vous voyez pas. Si, ça se voit quand même un peu. Hein, oh la vache! C'était injouable! Là, ça reprend. Putain! Bonhomme! Il a rigolé quand je l'ai tué, le mec, c'est un taré. Ça rame un peu, mec, c'était injouable. Ah, j'ai mes âmes là-bas. Molière dit c'est pas la pire zone du jeu pour les lags. Ah bon? Putain, si c'est ça, j'arrêterai de jouer, mec. Si c'est pas jouable, j'arrête de jouer. Comme Dark Souls 2. Merde. Putain, les boutons sont trop chelous. Les gâchettes, elles sont bizarres, je trouve, par rapport au... Mais c'est peut-être juste moi. Mais du coup, je récupère pas ma vie. Bah non, normalement t'es plus humain, je crois. Ah, mais c'est nul. Oh shit. Je vais remourir. What? J'ai pris des... Attendez! J'ai pris des dégâts d'un truc que j'ai pas compris, là. Wow! Bon, je vais me barrer d'ici. C'était pas... Heavy Rain, j'ai jamais dit que c'était un photo-jeu, c'est... On va voir. Non mais ma vie, mon entièreté de la vie quoi. De toute façon je vais revenir au Nexus. Ah mais Viminato, Demon Souls il existe pas sur PC parce qu'en fait c'est de la merde, ils ont pas osé le sortir, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça se tient. Putain c'est dégueulasse. Et où là, c'est l'autre con. Qu'est-ce qu'il y a pas le loot? Oh là là, blablabla. Il y a Rodar qui dit tu iras faire coucou au boss ce soir au moins. Ah, au boss, pardon. Oui, j'irai faire coucou au boss. Non, elle a pas terminé de parler qu'elle parle déjà. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. Je vais peut-être acheter des flèches. I shall await thine return. I can. Ah oui, mais c'est quoi du coup mes trucs? Est-ce que je peux utiliser projectile pour la machine? Ah, c'est 30 l'unité. Projectile carreau, d'accord, donc je peux utiliser ça. Ah, il y a Tentacle Blue qui dit c'est quand le prochain live de Cthulhu? Je ne sais pas. Car il veut des tentacules. D'accord. Ouh, faut que je répare tout ça, je crois. Non, ça va. C'est juste que ça goûte extrêmement cher. Bon, bah, let's go. Du coup, je vais retourner là-bas pour voir ce que c'était. Hop,
Je voulais qu'on fasse le boss ce soir. Merde. Moi j'ai pas du tout envie. En plus j'ai pas assez d'énergie pour le faire, je pense. Mais bon voilà, on va peut-être le faire. J'aimerais bien farmer de l'énergie avant de le faire en fait. Oh putain d'enculé. Bonne nuit, Kizan. Ok, il va me tuer. Genre, il m'a quasi one-shot, là. C'est comme il fait remarquer plus 51 que dans les commentaires pas chroniques, il y en a qui disent c'est du placement de produit. Ah, c'est drôle, ça. Bah oui, c'est bien connu que quand on fait du placement de produit, on critique le produit. Ouais. Mais je crois pas que les gens, ils sachent comment ça marche, un placement de produit. En fait, du coup, tout test de jeu vidéo est un placement de produit. Est-ce que là, je fais du placement de produit? Mais surtout que quand tu fais un placement de produit, t'as pas le droit de dire une seule critique. Bah ça dépend le placement de produit, mais la plupart du temps, non, t'as pas. Ouais, voilà, pas te laisser faire. Parce qu'ils vont pas te payer pour que tu dises « Oh, regardez ce jeu, il y a ça, ça qui est bien, mais par contre, ça, c'est nul à chier !» Ok, payer, ça marche. Très bien. Non, ça, c'est très drôle, les gens qui parlent de placement de produit, mais ils y connaissent rien, en fait. Ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent de trucs qui n'y connaissent rien. NON! J'en ai vraiment ras le cul de cette zone. Je pense qu'il faut que je level up. Je vais mourir. C'était logique. Là je suis en bout de nerf, donc je pense que je vais peut-être arrêter le live avant le boss, parce que sinon ça va juste être... Là je suis juste fatigué en fait, donc j'ai pas... Mais j'étais fatigué même avant que je meure tout à l'heure. Là, ça me fait penser qu'en parlant de ta chronique, des commentaires, j'ai vu un truc très drôle qui dit « Oui, tu dis 2-3 euros, mais sur quoi tu te bases? Est-ce que c'est objectif ?» Comme toute chronique, oui, c'est parfaitement objectif et calculé, au centime près. Ouais. Comment lui dire que c'est pas pour... ça n'a pas pour but d'être objectif? Ça ne peut pas être objectif. Je vois même pas l'intérêt de dire ça, que c'est vraiment trop con. NON! NON! Sérieux? C'est comme pour les... La quatrième mort était la dernière de ce live. Du coup, je vais arrêter là, mais c'était drôle. Oh. C'était juste ridicule. Eh, vous vouliez des morts ridicules, vous en avez. Celle-là, elle est bien ridicule. Ouais, t'as vu, il y a une tache de sang à côté de toi, c'est-à-dire qu'il y en a un autre qui est... Ah bah oui, mais c'était trop drôle que je suis arrivé sur le truc et mon personnage a slidé et il est parti. Bah au moins, tu peux te consoler en disant que t'es pas le seul à qui c'est arrivé. Eh bah voilà. Elle était trop bien celle-là. Il y a Vinato qui dit tu veux que je vienne finir le jeu à ta place. Alors, juste pour voir, je crois que j'ai... Je pense que je vais lancer un téléchargement de jeu. Attendez, comment on fait pour quitter le jeu? De toute façon, à mon avis, c'est pas la première fois que Maxime fait ça. Hein. Il invite quelqu'un chez lui qui connaît le jeu par cœur, il l'a sur champ et il fait semblant de jouer Maxime, et en fait, c'est pas lui qui joue. Là, on avait fait ça une fois, c'était Sophie qui avait joué à la place de Victor. Ouais, sur Super Meat Boy. Binding of Isaac. Oui, voilà, pardon. Genre, oh, regardez, c'est la première fois que Victor y joue. Oh putain, mais il est trop fort, comment ça se fait? C'était une belle mort, vous êtes tous contents? Bonne nuit, Globsophane. Donc là, je vais sur le store, donc je sais pas si vous allez voir l'écran. Parce que sur PS3, c'est trop bizarre, quoi. Oui, Benelux. Tu as lancé quoi? Le store, en fait, pour télécharger... Parce qu'en gros, j'ai complètement oublié, mais j'ai Devil May Cry, et j'aimerais bien faire le premier en live. Parce qu'il est cool. Bon, après, je suis très mauvais, donc... peut-être je vais arrêter, mais... C'est Eric sous la table. Et oui, c'est moi, c'est Eric Cette imitation du pauvre. Ouais. Bonne nuit, Zonero. Tu ne retires tout le... Ah, je suis pas... J'ai même pas fait exprès. Là, pour le coup, j'étais vraiment...
J'ai combien de jeux sur PS3? Je sais pas, genre 5. Non, je sais pas. C'est normal que la connexion au PS Store, elle mette si longtemps? C'est extrêmement long. Bonne nuit, Xtasy. Ah, attendez. C'est bon, je me connecte. Ah oui, oui, par contre, le truc il bug un peu, vous pouvez voir. La capture elle bug en fait quand. On a un joli écran noir. Ouais. Oh, c'est assez lent, mais ça va. Téléchargement, allez. Vous allez voir tous mes jeux là. Donc j'ai Oddworld. Pourquoi j'ai deux jeux à chaque fois? J'ai la version d'évaluation, tu sais. Genre il t'offre la version d'évaluation. J'ai Dragon Age. J'ai Mass Effect 2. J'ai Battlefield 3. J'apprends que j'ai des jeux. Hein. SSX, ça doit être rigolo. N'oubliez pas de pointer, au fait. Hein. Je vais pointer, ouais. Je peux gagner des trucs. Ah, putain, c'est vrai qu'il faut appuyer sur une touche pour que ça s'effectue en tête. Tu risques une écho du PS Store. Quoi? Une déco? Ah bon? On verra. T'as 200 jeux sur PS3, mais y'a pas 200 jeux sur PS3. Ah bah, c'est un peu. C'est pas beaucoup, Eviminato. Moi j'en ai 400 sur PS4, donc. On a même pas 400. Moi j'en ai 3293 sur PS Vita, donc. Et j'en ai. Et j'ai 200 exclus New 3DS. Moi, je crois que j'ai au moins 350 jeux d'éditeur tiers sur Nintendo DS. Ouais. Moi, j'ai au moins 20 jeux d'éditeur tiers sur Wii U. Oh, putain, merde. Ah, merde. C'est n'importe quoi. Non, mais je te crois, Vinmeletto, mais ça me paraît beaucoup. T'as tous les jeux, en fait. Tu regardes pas si c'est un bon ou un mauvais jeu. Ah, Yakuza 4, on va se faire Yakuza 4, les gens. Bah déjà, s'il a le PS Plus, ça lui fait déjà deux jeux tous les mois, donc bah ça ouais. Va vite. Hein. Si oh en ouais, plus, ça. Il en achète à côté. J'en ai 450 sur PS1. Putain, mec, t'as de la thune. Ou alors, il a fait comme beaucoup de monde à l'époque, il a pucé sa console. C'est vrai. Tu pouvais pucer la PS3? Il a dit la PS1. Il a... Ah oui, ça va, ça va. Je suis con. 5000 sur Steam. Putain, Prazot, t'es un ouf. Prazot, t'en as 5000, mais comment t'as fait? Parce que déjà, moi, j'en ai genre 1000, je sais pas combien, et je trouve ça peut-être énorme. Il achète peut-être tous les Humble Bundle. Mais même en achetant tous les Humble Bundle, hein, tu peux pas arriver à 5000. Putain, Evil Miato, tu m'enverras les 10 jeux que tu préfères et les 10 jeux que t'en as juste rien à foutre. Putain, 200, c'est pas mal. Non, c'était ça la blague. Il n'y a pas d'éditeur tiers chez Nintendo, c'est des blagues. Sur Vita, j'en ai pas mal, hein, par contre. Je sais pas si j'en ai 103, mais j'en ai pas mal. J'en ai peut-être 20. Non, je sais pas combien j'en ai. Oui, j'ai dépucelé ma console. Trop de jeux, tu joues. Mais non, mais ça, c'est un truc. Ça, c'est bien une phrase de pauvre. Je plaisante. Attends, t'es gentil, 5000, donc 4900 qu'il n'a pas fait. Moi, sur les 1000 et quelques jeux, il y en a peut-être 50 que j'ai terminé. 530 jeux sur PC. C'est pas tant que ça. Tout... Hein. Le pointage, c'est expliqué en dessous du live. Hein. Ouais, regardez sous le live pour le pointage. Tout. D'ailleurs, il y a plein d'autres informations ouais. Que le pointage sous le live. Hein. Comme le fait que vous pouvez m'envoyer des mails. Ça, c'est bien une phrase de riche. Hashtag richesse. Hashtag opulence. Hashtag argent des abonnés. Hashtag cuillère en argent dans le cul. Oui, argent des abonnés, clairement. Trop bien. Putain, vous voyez pas le pourcentage, vous merde. Je croyais que vous le voyez. Là, je viens juste de lancer le téléchargement de Yakuza 4 et je l'ai mis en exécuté tâche de fond. Sauf qu'il est terminé en 40 pour... Il me rend encore 4 minutes avant de pouvoir le passer en tâche de fond. C'est juste horriblement long. Ah, tu peux pas mettre directement en tâche de fond. C'est vrai que c'est pas énorme, Evil Minato. 1500 jeux, c'est le nombre de jeux que j'ai sur Steam. Pas loin de 200 jeux sur PS3, ça c'est ouf.
Mais après, ouais. Si vous avez pas de X360, ça se tient. Parce que sur 360, je vais en avoir 200 aussi. Que disais-tu, Jax? Non, je sais plus. J'ai pas fait les anciens Yakuza, mais le problème, c'est que j'ai que le 4. Donc on pourra jouer au 4. Ça sera drôle. Je sais pas ce que ça vaut. Et si on préfère envoyer des lettres papier pour des fanarts, ça se passe comment? Tu m'envoies un mail et je t'envoie mon adresse. Et tu peux m'envoyer une lettre à l'Anthrax. Et voilà, Evimiato, tu te fais hacher menu. Si en plus je compte tous les jeux que Matt m'a prêté, mais mec, t'es juste dead. Putain, ça me saoule. Je vais pas attendre la fin du truc, ça me saoule. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à toi, mon cher Jax. De rien. Bonne nuit à toi et au live. Alors, Ivrogne Torin, tu sauras que Monster Bag a été offert le jour de sa sortie pour les abonnés PS Plus, donc je l'ai depuis sa sortie, et effectivement, il est très sympathique. Captain Moustache, pour ta part, le 2 et le 4 sont les meilleurs, bah, c'est très cool, donc je ferai le 4. Voilà. Du coup, tu peux me dire sur la musique sur Facebook, si tu peux envoyer un exemple de musique, ça peut être... D'accord. Eh bien, écoute, je te ferai ça. Normalement, demain, 22h, Jax continue, Prince of Persia, donc c'est cool. Je vais regarder mes jeux PS3 pour voir le pire, le meilleur. Bah, ouais, hésite pas à me faire un top 20, voir les trucs que je pourrais m'acheter éventuellement sur PS3, et à éviter, sinon sur PS3. Du coup, Jax, je te laisse dire au revoir. Bonne nuit à tous et à toutes. Ah. À demain pour ceux qui viendront me voir, ou sinon à mercredi. Il y a un patch, il y a apparemment une mise à jour GeForce. Pourquoi faire? Un patch sur pour Elite Dangerous, ouais, pour la VR. À mon avis, c'est un patch de stabilité surtout pour le précédent. Ah non, c'est un peu plus pour Quantum Break, Killer Instinct, Dark Souls 3 et Paragon. Voilà. J'ai une version physique de Rayman 3. Cool. Eh bien, à plus. Je te laisse, mon cher Jax. À plus. Peut-être mercredi. Ouais. Enfin, oh oui. Peut-être. Je sais pas ce que ce sera, donc on verra. Ouais, on verra. À plus. À plus. Et à plus à tout le monde. Je vous laisse avec la musique de fin qui est quelque part cachée dans mon anus. Je ne sais pas où. Tac, c'est là. A plus, bisous, bisous, bisous partout. N'oubliez pas que demain il n'y a pas de live, mais vous pouvez aller voir le live de Jax sur Prince of Persia à 22h sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. A plus, à mercredi soir. Après Dark Souls 1 et ses escaliers. Après Dark Souls 2 et ses DLC jamais finis. Après Bloodborne et ses chasseurs. Le chevalier Bit revient. Dans Demon's Souls. Découvrez les origines de la série dans ce globi épique. Il y a quand même eu 3 fois plus de morts que dans le précédent live, c'est plutôt pas mal.